Actuellement, on parle beaucoup de crise de l'élevage, de plans de sauvetage, de tables rondes. Et pourtant, quand on regarde bien, on est dans un contexte où les prix sont élevés. Le prix des engrais, le prix des céréales, qui sont une charge pour les éleveurs, mais aussi le prix des produits animaux. Donc des prix élevés, une phase basse des marges, et on parle de crise. Pourquoi? Si on prend un éleveur laitier, traditionnellement, il a vécu avec des prix stabilisés et un horizon de sa trésorerie qu'il pilotait à 1 mois, 2 mois, 3 mois. On est aujourd'hui dans une phase basse, on sait que les prix vont remonter, il se sent en crise. Alors qu'effectivement, tout de suite, il manque à peu près une trentaine d'euros pour équilibrer. Sur la campagne précédente, on était à une trentaine d'euros au-dessus de l'équilibre. Donc est-ce qu'on est vraiment en crise? Un producteur de viande bovine a connu actuellement des résultats, certes bas, mais largement supérieurs à ce qu'on a connu sur les 5 dernières années. Donc on est mieux en élevage bovin, et on parle de crise. Une partie de ce sentiment, c'est le manque de repères. Le manque de repères, quand on se compare aux céréales, qui tout de suite bénéficient d'une situation extrêmement favorable, on a l'impression d'être en crise, alors qu'on est soi-même pas forcément très très bien, mais pas plus mal qu'avant. Simplement, nos voisins sont beaucoup mieux. Deuxième raison, il y a des gens qui sont réellement en très grande difficulté. Ils sont en très grande difficulté. Pourquoi? Parce que les écarts de performance entre les exploitations augmentent de manière vertigineuse. Et ces gens qui sont en très grande difficulté aujourd'hui, une question de prix ne résoudra rien durablement. Donc, et dernier élément, les prix agricoles sont devenus aujourd'hui difficilement lisibles. Un producteur laitier aujourd'hui voit son niveau de prix dans la phase basse, alors que les courses sont envolées sur le marché mondial. Tout ça parce que nous avons en France un système de temporisation. Donc plutôt que parler de crise et quelque part d'élevage de crise, où on vit dans cette culture-là, il nous semble qu'aujourd'hui, il faut beaucoup plus s'intéresser aux raisons structurelles et au développement de la valeur créée en élevage, alors qu'on se polarise sur une situation à très court terme qui en soi n'est pas catastrophique.